Bonjour à tous, c'est Bi61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et la dernière vidéo normalement, s'il n'y a pas de souci, mais bon, même si je galère ou quoi, il n'y aura qu'une dernière vidéo, c'est clair, au pire elle sera plus longue, mais clairement. Donc de Tomb Raider, bien entendu, sur PlayStation, qui aura duré autant de vidéos que Yakuza. Bon, évidemment, il n'y a pas autant d'heures de jeu, hein, ça n'a rien à voir, puisque les vidéos sont beaucoup plus courtes quand même. Surtout qu'Yakuza, il y a des fois, c'était bien 1 heure, voire un poil plus d'une heure de vidéo. Mais voilà, ça a quand même duré bien longtemps. Beaucoup plus que prévu, en étant ce que bon, j'étais parti dans l'idée de faire des vidéos un peu plus courtes, à partir d'un certain temps. Donc je m'attendais à faire peut-être une quinzaine de vidéos, ça aurait déjà été pas mal en fait. Mais j'ai quand même vu beaucoup plus bas en fait finalement. Par contre, je vais retourner en haut parce que je sais pas si c'est juste un cristal ou s'il y a autre chose à récupérer, donc je préfère vérifier. Aïe. Mal de tête assuré. Ah, c'est trop bon, bah ok. Comme ça, au moins le problème est résolu. Donc du coup, dans la dernière vidéo, on a découvert qui était vraiment Natla. Donc c'était la troisième, oui, on peut l'appeler comme ça, je crois, troisième souveraine d'Atlantide. Ils étaient quatre, trois, pardon. Je dis troisième et là je dis quatre. Donc il y avait évidemment Teokan et Qualopec, d'où les tombeaux où on a été justement pour récupérer leur emblème de, enfin pas emblème, leur partie du Sion. Et la troisième partie en fait était en Égypte. Et à partir de là, donc Nathla a récupéré tout ça pour obtenir le pouvoir de créer des espèces de monstres dégueulasses, hein, qu'elle trouve supérieurs aux êtres humains, étrangement. Bon. Écoute, pourquoi pas, hein, c'est une question de point de vue, on va dire. Mais bon, pour nous, c'était plus des steaks hachés sur pattes. Ah, donc c'est là qu'il y a le piège. Ouais, donc là ça tourne en rond en fait. Lolilol. Donc on va continuer ici du coup. Bon, y'a pas besoin de prendre d'élan normalement. Hop, voilà. Même sans tendre les bras, je pense que j'aurais réussi à faire bugger pour mettre. Enfin, réussir à atterrir sur la plateforme même si c'était mal parti. Mais bon, je préfère pas prendre de risques, ça coûte rien. Alors maintenant, on enchaîne les pièges et en plus, je peux pas trop attendre parce que comme vous le voyez, ça risque de s'écrouler. Évidemment, je suis passé pile dedans. Je vais retenter quand même. Voilà, c'est quand même mieux. Alors, il y a deux chemins, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore une caisse? Je sais pas trop où ça nous emmène parce qu'il y a deux côtés donc. J'y vais au pif. Bon. On va glitcher, écoute, si t'as pas envie de me laisser pousser. Ouais, ok. Ça voulait dire tu glitches pas mon gars, tu fais comme tout le monde, t'attends ton tour. On va essayer de repousser, mais ça voulait pas, donc je me suis dit je glitch quoi. T'as comment ça m'aura trop aidé dans le jeu le glitch, n'empêche. Je sais pas si c'est faisable dans les autres Tomb Raider du coup, faudrait que j'essaie. Et là, on peut plus pousser là. J'avoue, je comprends pas trop là. Je vais essayer de glitcher sur ce côté-là, voir s'il y a moyen de passer. Genre, il veut pas de ce côté. Bizarre ça. Ça marche que à droite. Ok, on va réessayer. Mais c'est quoi ce bordel? Ça a marché tout à l'heure. Ça va le glitch, il marche quand il en a envie? Ah bah voilà. Ah ah, j'ai niqué le game. Et après ça m'emmène où cette merde? Parce que c'est bien de glitcher, mais on va savoir où ça m'emmène.
Ouais, d'accord, ok. J'arrive pas à reglitcher pour aller de l'autre côté. Merde, putain. Y a pas moyen, c'est pour ça qu'il veut pas que je saute. Y a pas l'espace nécessaire en fait. Bon, écoutez, ça me saoule. Je me casse. J'ai poussé le truc, ça va peut-être me servir justement à passer de l'autre côté. Puis on va passer par là, hein, écoute. On va attendre 10 ans. Alors, c'est quoi ici? Eh ben voilà, on se retrouve de l'autre côté, là. Mais ouais, je comprends pas à quoi ça servait le cube en fait. Je vais regarder là en remontant. Je vais penser à save en même temps, parce que sinon on va pas être d'accord. Donc, tac, je sauvegarde. Putain, mais lol quoi. Loli lol. À quoi ça sert? Je sais pas. Mais ça sert à quoi cette zone, sans déconner? Y a rien. Je sais pas, j'en sais rien en fait, ce que je fous là. C'est une espèce de trappe, ok. Qui j'imagine quand elle sera remise à plat, on peut grimper à droite. Je sais pas. C'est space. Et du coup là je peux pas y retourner comme par hasard. C'est un peu con ça comme truc. Je capte pas le délire en fait, c'est quoi ce merdier? Pas comprendre, je sais pas, je sais pas à quoi sert cette zone, je sais pas pourquoi j'ai poussé le truc. C'est mystère et boule de gomme. Faut sinon, au lieu de pousser, je vais ramener peut-être parce que je vois pas en fait à quoi ça sert. Enfin, s'il veut bien, parce que c'est pas sûr. Je vais voir comme ça, voir ce que ça fait, parce que là je capte pas là. Ou il y a encore un levier que j'ai pas vu, peut-être. Ce n'est pas impossible, puisque on commence à me connaître de ce côté-là. Ah d'accord, il y a un levier là, j'avais pas vu. Ah, faut que je pousse la caisse alors. Mais j'avais pas essayé déjà de la pousser. Évidemment, il veut pas grimper. Comment faire perdre du temps? La lie là, là. Décidément. Toutes les techniques sont bonnes, hein. Encore une fois, je l'avais pas vu, quoi. C'est chaud quand même quand je ne vois pas les trucs. Après, c'est vrai que vu que tous les murs sont tremblotants, parce que voilà, on est sur PS1, du coup, on fait pas forcément gaffe. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Des fois, c'est pas voyant parce que c'est presque, voire même de la même couleur que l'environnement. Mais là encore, c'est voyant. Bon, encore, celui-là était en hauteur, donc je peux comprendre que je l'ai pas vu. Mais il y en a d'autres, même là, c'est quand même. Ah, mais c'est quand même visible, je trouve. Mais ouais, c'est chaud quand même que je les vois pas. Ça me pénalise plus d'une fois dans ce jeu. Alors là, on va s'amuser à sauter sur les pentes. Ça va être amusant à mort.
Ça va être enchaînement de fail. Ah, il y avait un bord en fait que je pouvais aller ici, j'avais pas vu. Ouais. Tac. C'est marrant qu'il nous envoie pas de rocher, tiens. Je suis surpris. J'ai pas été habitué à ça dans Tomb Raider. Ça ne saurait peut-être tarder. À bientôt le boss final. J'aime bien le bruit, ça fait genre feu d'artifice, mais en version silencieuse, quoi. Je préfère y aller mollo parce que d'ailleurs, faut que j'appuie sur F1 au cas où. Ah putain, genre ça me crame, j'ai pas fait gaffe. Putain, évidemment. Connard. Boulet de mes couilles. Suis toujours au pont, moi. Je vais peut-être reprendre, je sais pas, moi, les magnums. Pour changer un peu. Là là, mais y en a combien encore de ces merdes? Cours, Forest, cours. Putain, on a des tunnels. Là, on arrive à la grosse zone, là, je sens. Faut qu'il y ait autant de bordel. Aïe, ça fait mal. Et j'ai presque plus de soins, ça va être la galère. Ah, mais je reviens ici? Enfin, je dis je reviens ici, bah ouais. Je vise quoi là? Ah oui, d'accord, ok. À l'aide! Tout s'effondre! Pas que ça à foutre. Oh putain, on peut pas passer par là? Ah merde, je croyais que c'était par là, moi. Mais c'est par où la suite? Putain, je vais crever là. C'est de l'autre côté? Ben non. Aïe. Putain, du coup, je repop ici. Lololol, et je me retape les rochers. Lololol, j'ai que ça à foutre. Ça, quand on oublie de sauvegarder, c'est fatal. Hein. Bon, heureusement, on n'est pas trop loin quand même. Mais ouais, j'ai pas compris. Parce que j'ai cru voir qu'il y avait de la lave qui avait entre guillemets séché. Donc on peut pratiquer le sol. C'est peut-être ça. Faut que je vérifie en fait. C'est juste. Et ouais, c'était même beaucoup trop juste. Allez, ça y est, ça commence. Le truc, je l'ai pas foiré une fois et ça commence. C'était limite là. Ça a dû me poncer un petit peu le bras quand même. Bon, on save. Tac. Allez, on se dépêche. Putain, quelle perte de temps, je te jure. Tac. Voilà. Bon. Lotion. Coup de pompe dans tes dents. Ça vise dedans, quoi.
C'est là, voilà, que je pensais. Donc on peut se barrer par là. Enfin, ou pas, je sais pas. Y'a pas de chemin planqué? Allez, vas-y, ramène ta fraise. Ah mais si, c'est là. On va y arriver. Allez, putain, mais comme par hasard, quoi. Ça m'énerve. C'est un truc de ouf. En plus, tu dis, tu te laisses tomber. Et dans le trou, techniquement, tu tombes quand même en face du trou au sol. Eh ben non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, maintenant, parce que je vois rien... Ah oui, donc c'est là. Ça, ce passage, je m'en rappelle dans ma tête. Histoire de la corniche, ça, je m'en rappelle très bien. Ça va être sympa, ça, de s'amuser à esquiver les flèches, encore. Puis t'es limite obligé de te les bouffer, parce que pile dans le timing, t'es dedans. Ah, là ça passe. Enfin, ça a pas passé sur la deuxième. J'ai peut-être perdu un poil moins de vie. Là, j'ai esquivé. Là, la cuisse a pris. Putain, merde. Pff, quel connard. J'avais oublié que c'était une pente ici. Allez, on va y arriver. On est presque au bout. Pas le moment d'abandonner. On a de lourdes responsabilités. Putain, mais jusqu'au bout, ils essaient de te baiser, quoi. C'est un truc de fou. Ah là là, c'est... Faut être persévérant dans ce genre de jeu, putain. Voilà. Vas-y, mets une flèche aussi là, l'histoire de... Allez, bienvenue dans Prince of Persia. On va s'amuser. Je sais pas si c'est vraiment utile que je les ramasse, ces munitions, mais elles sont sur le chemin. Alors, où est-ce que j'ai devoir? Il faut que je saute par là-bas. Oh putain, j'avais pas prévu, moi, qu'il y ait des boulets, là. C'est un truc de fou. Voilà, je vais marcher. Parce qu'on peut marcher dans ce genre de truc, c'est ça qui est cool. Ensuite... Tac. Putain, là, ils ont fait leur pute sur ce passage. C'est bon. Les salopards. Ensuite... Alors là, soit je prends la corniche, soit je m'en bats les steaks. En même temps, j'ai pas trop de soins. Mais vu que je suis un warrior et que j'ai aussi une grosse flemme parce que j'en ai marre, j'ai pas envie de me taper tout ce chemin, je m'en bats les steaks des soins. Allez, on y va en mode bonhomme. Ça devrait aller de toute façon. C'est pas le plus dur en fait, le dernier boss, enfin le boss le plus dur c'était celui qu'on a déjà affronté en fait, le mec coupé en deux quoi, donc bon. Alors là c'est des gros bâtards aussi parce que faut avoir le bon timing pour arriver là-bas, passer sans que la serpe nous dégomme, en sachant que là on peut pas trop attendre parce que tout s'effondre. On va s'amuser aussi. Et voilà, évidemment fallait que je me bouffe l'angle. Voilà. Putain, les salopards. Là, il y a encore un boulet. Juste derrière moi, là. Coucou, petit boulet. Quand vas-tu me frapper?
du coup, même choper le son, c'est pas possible. Hein. Peut-être en sautant en diagonale. On va pas négliger, il est juste à côté. C'est pas comme les autres, faut prendre une corniche et attendre 10 ans. Mais ils sont malins quand même, ils mettent genre un soin. Tiens, tu veux ramasser un soin? Bah vas-y. Tiens, tu veux crever? Bah vas-y. Écoute, y a pas de souci. Putain, ça dégringole de partout. Bon. Est-ce qu'on arrive au boss bientôt? Oh putain. Pff, merde. Oh, fais chier. Oui. Non mais ça va, genre ils veulent pas me laisser tomber quoi. Est-ce que je vais réussir à choper soin sans que la lame me casse les couilles? Voilà. Non. En plus j'aime bien comme elle tombe comme une merde, c'est genre les footballeurs qui font semblant de se faire toucher quoi. C'est limite ça le truc. Bon, je vais sauter, ça va être plus simple. Voilà. Allez, là, on arrive bientôt au boss. Au final boss. Bon, vous doutez de bien qui c'est, hein. Je pense que là, on va pas trop spoil. Cul-de-sac. C'est normal. Ah non, c'est de l'autre côté, non? Enfin, je pense. Ils sont sérieux de mettre un boulet là? Non, mais là, j'ai fait de la merde, mais... j'ai pas compris. Il met un boulet, il m'a servi à rien, mais il pousse le joueur à bouger rapidement. C'est bizarre. Il se referme tout, voilà. Non, l'enculé. Je pensais pouvoir passer là. Il aurait fallu que j'attende peut-être. Voilà. Voilà. Mes doigts n'ont pas souffert. Ah. Ça, ça a mis quelque chose. Putain, mais lol, pourquoi je tombe comme une grosse merde? Je peux remonter, j'espère. En général, ils gèrent bien de ce côté-là, mais putain, je vais devoir tout me taper, non? Je sais pas. Ils ont mis ça sur quel côté, encore? Ah, voilà. Ah, ça me rappelle le... Vous savez, passage gréco-romain, là. Les petites flammes, là, qui m'avaient bien pété les couilles, aussi. Tellement de passages qui m'ont cassé les couilles dans le jeu. Il est 2h40 du mat, on va bientôt y arriver. En plus, ça s'arrête jamais encore. Ah non, ça s'arrête ou pas des fois, non, on dirait pas. Mais ouais, évidemment, putain. Raclure. Non mais là, c'était pas tout à fait ça. Et presque. Ah, remarque... J'ai l'impression que... Ah merde, putain, j'ai changé de slot de... Putain, j'ai flippé, là. Je m'en fous de la démo, qu'est-ce qu'il me fait avec sa démo. Tac. Faut que je me mangue le cul parce que je suis en train de cramer, voilà. Allez, comme par hasard, allez. Pile au moment où j'y vais, ça crame. Va te faire foutre. Je vais me soigner un petit coup. En plus, j'ai récupéré du soin, donc ça va. Merde. Putain, j'y étais en plus. Putain, j'avais pas save en plus. Ah, bah nickel. Pourquoi j'ai pas fait ça direct? Au lieu de me prendre la tête.
Mais je suis con en fait, juste à prendre de l'élan. Putain, mais l'autiste. C'est triste. Allez, qu'est-ce qui se passe encore ici? Bon bah allons-y. Hein. Ah putain, j'ai pas eu le temps, les bâtards. Ok, c'est pire. Mais c'est quoi ce bordel? Attendez. Parce que je vois pas très bien la pente en fait jusqu'où elle va. C'est trompeur en fait. Enfin, je sais pas pourquoi je prends de l'élan comme ça sert à rien. Mais t'es sérieux là, t'aurais pu me la mettre là. Ou faut que je saute plus tôt. Comme ça j'ai de la marge là. Voilà. On va y arriver. Genre c'est un trésor ici. C'est une blague. Enfin c'est pas un secret ça si. Je croyais que c'était la suite du niveau. Hein. Elle est où la suite? Ah oh, putain oui j'avais oublié ce fameux endroit. Tu dois sauter pile au milieu, donc déjà le saut de l'ange c'est R1, je crois. Appuyer. Enfin, je crois. Voilà. Non, c'est pas bon. Bon, c'est dedans, mais j'ai envie de faire le saut de l'ange, putain. Ah, voilà. Nice! Voilà. C'est quand même plus stylé, ouais. Bon, les munitions, j'en bats les steaks, c'est bon. On a 30 milliards. Faut arrêter quoi. Putain, mais même là ils en remettent, c'est bon, il n'y a pas... Parpaing en Troisième Guerre mondiale quand même. Et donc là c'est le boss final. Alors elle est où Micheline? Elle est là. Donc c'est Natla qui s'est transformée comme ses collègues en fait. Machine, enfin en machin amélioré, je sais pas comment appeler ça, mais... En être humain amélioré, on va dire, même si bon, ça a plus grand chose d'humain, mais why not? Hop, on se soigne. Putain mais ça m'énerve, fais tes sauts latéraux putain. Dès qu'elle a perte de vue, elle veut plus viser, du coup elle fait plus les sauts latéraux et moi je me bouffe des boulets comme un connard. Déjà? Putain mais what the fuck. C'est tellement pas résistant cette merde. Je te chie dessus. Il n'y avait vraiment pas de difficulté, hein. Comme je vous l'avais dit. Je savais que c'était plus simple, mais à ce point-là, je me rappelais pas. Vous n'allez pas m'éliminer avec ma race Ah bah si voilà. facilement. Ah ouais, bah vas-y, prouve-le, sinon en attendant, t'es un peu une merde. Alors juste pour t'aider un peu, je bouge même plus, toi. Je fais même plus d'efforts. Je vais juste me soigner. Et je bouge plus, je vide juste mes mal. Ça, c'est du combat de ouf. Allez, dégage. Tu disais quoi? Que j'allais pas t'éliminer si facilement, ça? Je crois que tu t'es trompé. C'est quoi toutes ces cachettes là? Parce que je sais que la sortie de mémoire, c'est tout en haut là-bas. Mais avant, faut tout escalader. Alors, est-ce que ça, c'est un moyen de passer par l'une des poutres qui permet d'escalader? Je sais pas trop, parce que là ça descend en plus. Bon, il y a des munitions, mais on s'en bat les steaks. Ah non, ça redescend. Bon, c'est juste des munitions, quoi. Bon, ça doit être par là-bas, je pense. Peut-être là. Décidément. Ah merde! Sauter ou pas? Ça a pas l'air. Putain, je vais pas me retaper le tour, j'ai pas envie. J'ai la flemme.
Non, elle veut pas. Putain, ça me saoule, là. Putain, j'ai la flemme, mais de faire le moindre mouvement, c'est un truc de ouf. On a 30 minutes en plus. Ah, voilà. Non mais c'est bon, ça y est, j'ai fait le saut de la foi une fois, il va me le faire à chaque fois maintenant, j'ai rien demandé, tu sais. Merde, ah, putain, faut tendre les bras en fait, je pensais pas. Voilà. Parce que là, c'est le bordel en plus, pour grimper ici. J'ai intérêt à penser à sauvegarder à chaque fois. Allez, saute pas. Ça s'écroule lentement quand même. Ça nous laisse le temps de s'en aller. Heureusement, parce que s'il y avait un minuteur à la Resident Evil, ça mettrait bien la pression, quoi. Bon, avec une save auto, encore ça va, mais si vous la jouez à l'ancienne, ça casserait bien les couilles. Alors là, faut pas que je me foire, évidemment, faut tomber pile dessus. Voilà. Je vérifie juste que ça enregistre bien. Ouais. Parce que je sais pas, là, j'ai eu un moment de pression. Ça... Oh non, ça va pas faire bugger le son juste parce que j'ai changé de fenêtre, quand même. C'est pas cool, non. Putain, fais chier. Si je re-switch encore de fenêtre, ça va peut-être pas le faire. Ah, ça a l'air de remarcher. Étrange comportement. Bon. Tant que ça grésille pas, moi c'est bon, ça meurt. C'est juste que j'ai parlé que ça grésille juste à la fin du jeu, quoi. Là, je pense que je vais prendre de l'élan, ça sera mieux. Allez, on est presque au bout. Ça va refaire le même truc. Ouais. On voit même Natla crever au sol là. Ah, et on me voit aussi crever au sol maintenant. Allez. On y est presque. La délivrance est en face de nous. Après, dernière cinématique où tout explose. Alors, je sais pas si ça va me mettre mes stats maintenant ou après la cinématique, on va voir ça. Ouais, 20 minutes, objet trouvé 10, ennemi tué 3, ok. Écoute, bah je sauvegarde, même si c'est la fin, on sauvegarde quand même.
Et voilà, the end. C'est finish. Et donc du coup on a générique. Il n'y a pas de musique? Oh. Bah écoute. Bah c'est tout. Mais what? Ça va, générique ultra court? Bon bah ok. Bon, on va aller dans les options pour détecter ça en sa démo. Ouais, parce qu'en fait, là, je me suis dit, au pire, s'il n'y a pas générique, je mettrais justement cette musique thème, évidemment. Attendez, quand même. Bon, bah, c'est cool, on a fini. Bon, c'est le seul truc que je trouve dommage, c'est. Enfin, c'est pas au niveau du jeu, mais c'est au niveau. Enfin, le jeu a un impact là-dessus, forcément, puisque j'ai galéré. Mais c'est juste que ça a pris 25 vidéos. Je voulais que ça en fasse une bonne quinzaine, mais pas trop non plus. C'est ça qui m'embête un petit peu, on va dire. Mais bon, tant pis, hein, maintenant que c'est fait, c'est fait. Et puis finalement, je vous l'avais dit, hein, dans plusieurs vidéos précédentes, il y a peut-être une dizaine de vidéos maintenant, où je trouvais que finalement je galérais pas tant que ça. Donc ça va, bon, des fois je reste un peu bloqué, mais je veux dire, il y a des sauts et tout, même si je galère un peu, ça passe. Donc finalement, j'ai pas galéré tant que ça, enfin tant que j'aurais cru avant de lancer le jeu. C'était ma principale crainte en fait quand j'allais faire Tomb Raider. Ça fait plusieurs mois que j'avais décidé de le faire, hein, bien entendu. Et j'en avais parlé à Petit Seb et j'avais dit que c'est vraiment ça qui me faisait chier et que j'allais forcément utiliser du coup les sauvegardes de l'émulateur pour me faciliter le truc, parce que c'est vraiment ça qui me faisait peur, quoi. Le fait que le jeu me saoule tellement que ça s'entend trop. Bon, il y a peut-être des moments où je suis peut-être un peu trop plein. Dans ce cas-là, je suis désolé si pour vous c'était pas forcément cool à entendre, parce que j'essaie toujours de faire attention à ça, parce que le but c'est qu'on passe un bon moment, pas qu'on se plaigne. Sinon, on fait pas le jeu là. Et finalement, ça va, j'en ai pas trop chié. Bah, après, certains diront peut-être que j'en ai beaucoup chié, mais moi je m'attendais à en chier plus. Donc franchement non ça va. C'était cool. Ça s'est assez bien passé. Voilà. Puis ça fait quand même un moment que j'enregistre le jeu, mine de rien, je vais regarder vite fait. Je vais mettre ça à part du jeu. Parce que les premières vidéos dessus datent quand même de quelques mois, puisque j'avais fait ma pause en fait entre les deux. Tomb Raider, il est où là-dedans? Il est là. Voilà, parce que je veux pas tout vous montrer à l'écran. Première vidéo, elle date de quand? Propriété. 25 septembre, voilà. En sachant que là, au moment où j'enregistre, on est le 2 décembre. Et donc cette vidéo-là, si on est logique, vous l'aurez au début du. Enfin, peut-être pas début, ce sera mi-janvier, je pense, du coup. À peu près, on va dire. Si je respecte tous les 2 jours. C'est après, bon, à Noël, il y aura d'autres vidéos, mais j'essaierai pas d'influencer le rythme du jeu. C'est une vidéo tous les 2 jours du jeu. Et après, les autres vidéos, elles sortiront entre les vidéos du jeu, qu'on va dire. Mais j'éviterai de trop décaler. Donc, ouais. Donc, j'aurais pris quand même, du coup, ouais, 20 septembre. J'ai pris un mois et demi à le faire, à peu près. Même plus, attendez, bah non, parce que c'était octobre, novembre, et non, non, 2 mois et demi plutôt. Ah, la musique, elle se lance plus là, c'est dommage. À moins qu'elle va se remettre si je vais là. Bon, Pierre, lance la démo. Fais-toi plaise. Je vais laisser tourner exprès, comme ça va remettre la musique. Donc, ouais, ça fait quand même 2 mois et demi, mais bon, c'est parce que j'avais fait ma pause. Hein. Ça, je vous l'avais expliqué dans la bis actu, pourquoi je faisais une pause et pourquoi j'étais démotivé, donc je vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il a un peu traîné à être fait le jeu. Mais bon, ça va. Donc, sinon, bon, on va quand même parler du jeu, parce que c'est l'essentiel. Parler un petit peu au final. Donc, voilà, pour moi, c'est pas le meilleur des Tomb Raider. Pour moi, le meilleur reste quand même la révélation finale, je trouve. Parce que là, il y a quand même des trucs qui sont quand même, comment dire. Bon, c'était assumé à l'époque, hein, j'en doute pas, mais il y a des trucs qui sont trop kitsch, quoi. Parce que par exemple, le premier Resident Evil, on dit qu'il est kitsch. Par exemple, pour sa cinématique d'intro et tout, mais il y avait quand même des vrais acteurs, et bon, finalement, c'était le jeu d'acteur qui était pas terrible. Mais après, Resident Evil a toujours été un hommage aux séries B, donc
Ça passe encore. Tomb Raider, on pourrait dire aussi que c'est un hommage aux séries B, je sais pas. Ça, j'ai pas fait assez de recherches sur le jeu pour dire ça, donc je ne prétendrai pas utiliser cette excuse pour le jeu, on va dire. Mais, genre par exemple, le mec en skate avec sa casquette à l'envers qui nous mitraille avec des Uzi, ça passe pas du tout dans cet univers-là. Tu te dis, what the fuck, total, quoi. Enfin, le gars, il sort d'un autre jeu, il s'est infiltré dans Tomb Raider, quoi. C'est clairement ça, quoi. C'est genre, c'est un skater d'un jeu de skate qui s'est pointé dans Tomb Raider. Tiens, j'ai deux Uzi, je vais jouer avec, quoi. Puis même l'air de skateboard, enfin, c'est pas une air de skateboard, mais bon, ça y ressemblait quand même beaucoup. Y a aucun endroit similaire dans le jeu, encore il y aurait plein d'endroits similaires comme ça, bah tu te dis bon bah voilà c'est raccord, tu as comme par hasard une aire de skateboard à l'ancienne avec un mec qui fait du skateboard dessus. Voilà, c'est ce genre de détail moi qui m'embête un peu. Bon, il y a aussi au niveau du fait que c'est assez vieillot au niveau de les cinématiques de synthèse, et donc du coup pour Lara ils ont quand même mis le paquet. D'ailleurs comme dans le jeu, hein, Lara est très bien modélisée. Mais tout ce qui est encore les gros ennemis, ça va. Mais les humanoïdes, genre Nattla, ou même les autres persos qu'on a affrontés, Dupont, comment il s'appelle l'autre? Merde, le premier là, Larson, ils sont vraiment modélisés à l'arrache, quoi. Ils ont vraiment mis tous les polygones de dispo sur le modèle de Lara pour qu'elle soit stylée, elle. Mais les autres persos, ils sont dégueulasses, quoi. Et il n'y a pas que ce Tomb Raider là où ils ont fait ça, hein. Mais de mémoire dans le 2 c'est pareil, les ennemis humanoïdes sont dégueulasses, ils sont hyper cubiques. Ils misent tout en fait sur le personnage principal et donc du coup ça fait un écart assez conséquent et c'est assez dommage je trouve. Je préférais qu'il y ait un poil moins de polygones pour Lara et qu'il y en ait un peu plus pour les ennemis. Parce que du coup ça crée un truc homogène que là tu vois vraiment la grosse différence entre les. Donc ça me dérange, et du coup ce que je voulais dire c'est par rapport aux cinématiques en images de synthèse, c'est que Lara, elle, on va voir qu'au niveau du visage, elle bouge la bouche, on voit au niveau de ses yeux, ça bouge, tout ça, quoi. Et par exemple, quand t'as Nattla qui vient de parler, vous savez, au moment où elle se fait désarmer et qu'elle saute dans la rivière, et après elle prend une moto, machin, et ben là, Nattla bouge pas du tout, quoi. Enfin, elle a pas d'expression alors qu'elle parle, enfin, ça fait très con. Et ça me dérange du coup parce que tu sais qu'ils sont capables de le faire. C'est, il y a des fois, enfin, à cette époque-là, c'est pas la question qu'ils sont pas capables de le faire, mais je veux dire, ils l'ont fait pour Lara. Alors faites-le au moins pour les autres persos dans les cinématiques, quoi. C'est, voilà, je parle juste de ce principe-là. Après, s'ils l'avaient fait pour aucun perso, tu te dis, bon, bah voilà, économiquement, ça leur coûte cher de faire les animations et tout, ils ont autre chose à foutre, tu te dis, why not? Mais si tu le fais pour un perso, fais-le pour tous. C'est un peu ça. Après, le scénario en lui-même n'est pas mauvais, mais bon, il est relativement simpliste, même si on a quand même des petites révélations à la fin, mais bon. Vu que c'est mal amené au début, c'est ça aussi le problème du jeu, c'est que le scénario au début est mal amené. Quant à l'introduction, qui se démarre d'ailleurs avant de faire un nouveau jeu, ce qui est dommage parce que ça permet de rappeler, on ne sait jamais, hein, si tu lances, tu passes l'intro, ce que tu te dis, c'est quoi. Parce que des fois, il y a des intros de jeu où c'était pas de l'histoire, c'est juste pour montrer des morceau de séquence de jeu ou quoi, si tu passes vite fait pour accéder au menu principal et que tu lances, tu vois pas l'inséquence où t'as l'incubateur qui explose, quoi. C'est au Nouveau-Mexique, je crois d'ailleurs que ça se passe. Donc tout ça, tu passes à côté, et même quand tu le vois, tu comprends pas forcément ce qui se passe, quoi. Y a un truc qui pète, t'as une espèce de. Comment on pourrait appeler ça? De couvercle de. De plaque, enfin une espèce de plaque d'égout qui te tombe à la gueule, qui s'enfonce dans le sol, et puis hop, après ça passe à Lara qui est assise sur le bureau, t'as Larson qui vient, machin, on a une mission pour vous, mais si tu fais pas le lien, enfin t'expliques pas qu'est-ce que c'est que cette explosion, t'as un truc au Nouveau-Mexique comme ça, random, et ça se passe plusieurs années avant, hein, il le précise, je crois. Mais ouais, c'est totalement random. Du coup, ouais, le scénario est mal amené, je trouve. C'est très décousu dans Tomb Raider. Et pas que le premier, hein, d'ailleurs, mais bon, là, on parle que du premier, donc voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qui me dérangent beaucoup, qui font que c'est pour ça que c'est pas mon préféré, en fait. Mais mine de rien, pour l'époque, il restait quand même assez bien, même si le scénario n'est pas très bien amené et qu'il n'est pas très élaboré, à l'époque, c'est un scénario largement convenable. Hein. Là, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus.
Mais du coup, ce qui reste, c'est vraiment le fait qu'il soit mal amené, quoi. C'est vraiment ce que je lui reprocherais le plus. Et puis bon, tous les petits soucis que je vous ai dit, quoi. Mais après, sinon, voilà, c'est un excellent jeu de plateforme. Bon, les phases de shoot, c'est pas la folie. On joue pas forcément à Tomb Raider pour ça, quoi. Même si c'est vrai que souvent, ils la mettent en avant, en mode je tire partout, je suis une femme d'action, quoi. Ce qui n'est pas faux. Mais après, on joue pas spécialement à Tomb Raider pour faire du shoot parce que c'est pas très plaisant, quoi. Quand on a des armes genre type Magnum, tu te dis ça va défourailler, bah. En termes de sensation, quand tu joues, t'as pas l'impression de défourailler quoi que ce soit, donc. C'est pas ouf de ce côté-là. Mais voilà. Après, au niveau musique, comme je vous ai dit, pour moi, elles sont énormes, hein. Là-dessus, je crois que. Y a pas trop de choses à dire, hein, mis à part le fait qu'elles sont bien. Bah après, il y a aussi la question de goût, hein, mais moi, pour ma part, j'aime bien. Donc voilà, au niveau du. De la bande. Pas de la bande, de la durée de vie, pardon, c'est quand même pas mal non plus. Après, tout dépend aussi du fait que si on galère ou pas, si on a une soluce ou pas. Après, c'est vrai, quand on connaît le jeu, je pense qu'on peut faire en 2h, 2h30. Enfin, je pense, si on se foire pas trop dans les sauts et qu'on connaît bien le cheminement, quoi. Mais là, 25 vidéos, on va dire à peu près 30 minutes pour chaque. On va arrondir à 30, même si certains en ont fait 40. Ça fait quand même 12h30. Donc on dépasse les 10 heures de jeu sans trop de difficultés. La première fois, en tout cas, c'est clair. Et là, en walkthrough, vous avez vu que. Le début, je me rappelais bien, parce que comme je vous avais expliqué dans les. Je crois que c'est chapitre 3 ou 4. Parce que là, vu que je l'ai upload hier, j'ai regardé. Il me semble que c'était le 3. Et je vous parlais justement, j'avais joué pendant les grandes vacances. Donc, je me rappelais un petit peu du début, et en même temps, c'était pour me refaire un petit peu au gameplay, quoi. Donc ça allait plus vite. Mais après, du coup, bah, je pouvais compter que sur mes vieux souvenirs, et mes vieux souvenirs, bah, ils étaient très très lointains. Parce que c'est clair, Tomb Raider, c'est pas un jeu que je fais très souvent. Contrairement à RE ou d'autres jeux de PS1 comme je sais pas moi c'était Special Force par exemple que je vous ai fait. Ça c'est le type de jeu que je fais très régulièrement. Enfin, quand je dis très régulièrement, c'est au moins une fois tous les 2 ans. Au moins vraiment quoi. Bon ça peut-être paraît peut-être peu, mais bon quand t'as. Quand même j'ai quand même pas mal de jeux hein, dans ma ludothèque. Puis j'ai pas que ça à foutre non plus. On va pas se le cacher quand même, mais voilà, pour moi ça fait que c'est quand même assez souvent quoi. Alors que Tomb Raider, ça fait des années que j'ai pas touché, quoi. Enfin, en tout cas, celui-là. Surtout le premier. Enfin, surtout ceux de PS1, je dirais. Parce qu'après, les plus récents, genre Legend et compagnie, j'y ai joué il y a pas très longtemps, parce qu'il me semble que je vous l'avais dit il y a 1 an ou 2, dans une bis actu, il me semble, que j'avais platiné justement le Tomb Raider Legend. Parce que j'avais acheté la trilogie HD sur PS3. Et le. Je l'avais. À l'époque, moi je l'avais déjà dans un premier temps sur PSP. Après, bon, j'ai revendu tous mes jeux PSP. Mais sur PSP, j'avais fini. Donc, du coup, quand je l'ai refait sur PS3, c'est exactement la même version. Évidemment, c'est juste plus joli. Donc, je l'ai fait très rapidement. Et en fait, en 2 jours, j'ai commencé le jeu. Et 2 jours après, j'ai platiné le jeu. Donc, ça a été très rapide. J'ai fait le jeu en mode normal. Ou difficile dès le départ et après il y a très difficile, enfin je sais plus. Mais en gros, en 2 parties c'était réglé quoi. Donc ça va très vite, hein, mais du coup ouais le Legend ça fait pas longtemps que j'y ai joué quoi. Enfin maintenant ça remonte peut-être à 2 ans à peu près. Je dis ça fait pas longtemps mais ça passe vite parce que c'était quand j'étais en Normandie à ce moment-là. Donc oui ça fait un peu plus de 2 ans, on va dire 2 ans et demi, ouais. Surtout que l'on arrive à décembre, on va dire 2 ans et demi maintenant. Donc voilà, c'est déjà un poil plus récent. Mais sinon, ouais, les Tomb Raider, ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais ça a quand même une grande place dans mon cœur, tout simplement, parce que j'ai aussi grandi avec, et m'ont marqué sur bien des aspects, comme je vous l'ai expliqué durant le walkthrough, c'est que c'est un jeu qui m'a fait galérer, mais d'une puissance monstre, je dirais. Je pense que c'est les jeux sur lesquels j'ai le plus galéré à l'époque, quoi. J'ai pas eu d'autres difficultés de ce genre. Dans un jeu vidéo, enfin en tout cas à l'époque et par rapport à tous les jeux que j'avais à portée de main à cette époque-là, quoi. Parce que quand on regarde à côté Resident Evil, à chaque fois on dit c'est difficile, c'est machin.
Mais moi je suis désolé, quand tu mets Resident Evil et Tomb Raider à côté, Resident Evil c'est hyper simple à côté quoi. C'est pour moi, enfin de toute façon vous l'avez vu dans les wakfu, bon c'est pareil, les Resident Evil j'y joue plus souvent, je m'en rappelle mieux, je dis pas. Mais c'est quand même beaucoup plus simple quoi, que là tu crèves en permanence, si j'avais pas les safe states je pèterais un câble. C'est vraiment pas la même difficulté, clairement quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus difficile. C'est vrai que pour moi à l'époque quand j'y jouais je considérais ça comme un jeu pour adultes, mais pas dans le sens c'est violent ou quoi, mais c'est genre c'est un mec de 18 ans quand on a pris de la bouteille on va dire dans le jeu vidéo pour jouer à ce genre de jeu quoi. Enfin pour moi je voyais comme ça à l'époque en fait. Et finalement c'est pas faux puisque c'est en grandissant que vraiment j'arrivais à gérer le jeu finalement. Donc voilà, après bon au niveau des graphismes, on vous en est parlé, je vous épargne tous les détails. Mais voilà, je tenais vraiment à vous faire cette licence, enfin au moins un épisode, et comme je vous ai dit, ce sera pas le dernier. Mais pour l'instant, en tout cas, on se calme. Comme je vous l'ai dit, je sais plus, c'est la vidéo précédente où il y a deux vidéos que je voulais enchaîner direct après, un deuxième. Ou presque direct, mais on va se calmer un peu, je préfère... espacer un petit peu déjà parce que comme ça il n'y aura pas que ça sur ma chaîne parce que je sais que forcément ça va pas plaire à un certain nombre de personnes, hein, logique, hein, chacun ses goûts comme on dit. Donc j'ai pas trop envie de monopoliser la chaîne avec du Tomb Raider. Et puis en même temps je voulais dire autre chose mais je sais plus quoi. Ce qui est plutôt cool. Et en même temps, oui, le fait que, après, moi j'ai pas envie de péter un câble non plus dessus, enfin voilà, je vous avais expliqué tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y aura d'autres Tomb Raider sur ma chaîne. Combien, je sais pas, même si je dirais pas plus de 2, enfin, pas en comptant celui-là, en gros, il y en aurait pas plus de 3 au maximum. Le jour où j'arrêterai ma chaîne, il y en aura jamais plus de 3. Parce que pour moi, il n'y en a que 2 qui méritent encore d'être faits dans la licence. Ça veut pas dire que les autres sont nuls ou quoi, hein, mais je pense que voilà, c'est bon. T'es pas obligé de tous les faire non plus, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi entre les épisodes comme il peut y avoir dans les Resident Evil ou dans d'autres jeux que j'ai faits, quoi. Et puis c'est surtout qu'il y en a eu beaucoup, quoi. Parce que quand tu regardes sur PS1, il y en a eu 5. Quand ils ont commencé à en faire sur PS1, après ils se sont pas arrêtés quoi. C'était une licence annuelle comme les Call of ou les Assassin's Creed d'aujourd'hui. Alors quand je dis Assassin's Creed depuis maintenant, parce que ils sont calmés là. Enfin, ils ont mis du temps à se décider, mais ils sont enfin calmés. Mais les Tomb Raider, dès le premier, après, bim, chaque année, c'est t'avais le droit à ton Tomb Raider. Et ça a perdu en qualité en fait. Le 5, pour moi, j'ai même pas envie d'y jouer parce que je de mémoire et ce qu'il y a dedans, parce qu'après j'avais regardé des compilations de cinématiques et tout pour me rappeler du scénario et tout. Enfin ça remonte à quelques années ça déjà. Et de mémoire il était pas terrible quoi. C'était pas terrible. Et le 2 sympa encore, le 3 de mémoire, pour le peu de souvenirs que j'ai, bon c'est dans la lignée mais bon voilà c'est un peu en trop. Et je trouve vraiment, avec le 4, ça reprend un peu du poil de la bête. Là, t'as vraiment l'impression qu'ils se disent, bon, les gars, on va arrêter, même si c'est toujours de l'annuel. Hein. Mais ils se sont dit, bon, voilà, on s'est un peu trop reposé, là, on enchaîne un peu trop les épisodes, faut qu'on fasse quelque chose d'un peu mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le 4, baptisé la révélation finale, du coup. Donc voilà. Et après, le 5, hop, ils sont retombés dans le caca, et après, ils sont partis sur PS2, et on sait ce que ça a donné, puisque ça, je vous en ai parlé dans les premières vidéos. Donc voilà, donc on est à 54 minutes, écoutez, moi j'ai rien d'autre de particulier à dire, on va pas faire durer pour faire durer. Si au cas où vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, hein, bien sûr, il y a l'espace commentaire pour ça. Donnez votre avis sur le jeu, sur l'expérience que vous avez eue avec les Tomb Raider, par exemple. En tout cas, n'hésitez pas, et ceux qui connaissaient pas, bah, si ça vous a plu ou pas. Ça vous permet en même temps de voir un classique quand même de la PS1 et des jeux de plateforme qui ont aussi donné des naissances à d'autres licences. Hein. Je pense par exemple à Uncharted, bien sûr. Bon, c'est bien plus tard, hein, mais ça s'en est fortement inspiré, on le sait bien. Et tant mieux, quelque part, parce que Uncharted, ça a créé une licence vraiment très bonne et très différente maintenant avec le temps qui s'est passé, je la trouve quand même assez différente des Tomb Raider, on peut pas juste dire que c'est de la repompe.
avec un héros masculin, quoi. Et j'aime vraiment les deux licences comme elles sont, en fait. Enfin, sauf le reboot de Tomb Raider, où ils ont fait un truc... Bon, voilà, on va pas revenir 10 fois dessus, mais bon, moi, ça me plaît pas, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, on va dire jusqu'à Underworld, c'était... voilà, chacun avait son coin de jeu d'aventure, on va dire. Et ils empiétaient pas les uns sur les autres. Donc voilà, moi, c'est quand même des gros jeux... qui m'ont marqué, quoi, et qui, je pense, c'est important quand même de d'en parler, simplement parce que forcément, comme je vous dis, il y a des influences de ces jeux-là sur les jeux récents, etc. Il y a toujours des clins d'œil et des machins. C'est toujours intéressant pour sa culture vidéoludique, je dirais. Donc voilà. Bon, du coup, comme j'ai dit, je vous retiens pas plus parce que là, je commence à meubler. En fait, je me rends compte que. Bon, c'est pas inutile ce que je dis, mais bon, c'est pas utile de ouf non plus. Donc, je vais arrêter de vous retenir. Donc, j'espère que le Wakfu, dans sa globalité, vous a plu. Encore une fois, désolé s'il y a des moments où je galérais et tout, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est aussi le fait que je refais pas le jeu intégralement avant de tourner. C'est un choix que je fais pour chaque jeu aussi, hein. Ça, je vous l'ai toujours dit. J'aime bien qu'il y ait un fait aussi, enfin qu'il y ait... Il y a un truc qui fait que vu que je maîtrise pas le jeu, il y a aussi des petites surprises quoi dans le Wakfu. Je trouve ça important qu'il y ait toujours ce côté aléatoire, si je peux dire, de ce qui va se dérouler dans le jeu en fait. Donc voilà, après on aime ou on aime pas, mais bon. Moi c'est ma manière de faire les Wakfu, et puis voilà quoi. Si ça plaît pas, tant pis. Il y en a 30 000 à côté des youtubeurs qui font d'autres jeux, il y a pas de souci. Je vous montre la porte, il y a pas de problème. Clairement. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter. Allez, à plus.